La vidéo suivante n'est absolument pas inspirée de faits réels. Mais alors là, pas du tout, hein? Bah, quoique peut-être juste un peu. Alors, mon petit Valentin, ça a beau être Noël, ce soir, c'est Lourdes-Garde. Mais ne t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Et du coup, s'il y a un souci, je vous appelle sur votre portable de garde? Ah non, tu m'appelles sur mon portable personnel. Ce soir, je ne suis pas à l'hôpital. Tu penses bien. Mais s'il y a une urgence, j'appelle la petite interne? Ah non, t'appelles pas l'interne non plus. Parce que ce soir, je fourre la dinde, si tu vois ce que je veux dire. Au fait, avant que je parte, la patiente de la 37 s'est encore chiée dessus. Joyeux Noël. Noël, joyeux Noël, des dindes, des inters. Oh yeah! Oui, excusez-moi de vous déranger, monsieur. J'ai un souci avec la dame de la 3. Elle se sent vraiment mal. Je m'en branle. Ouais, mais elle saigne. Ah, je m'en branle. Elle saigne vraiment, vraiment beaucoup. Je m'en branle vraiment beaucoup. Et c'est pas une prescription, ça. Qu'est-ce que je fais, moi? Mais tu lui as pas fait son EVA? Bah non. Bah attendez. Putain, ma jambe, elle est pétée. Ça fait trop mal. Je vais mourir. Ah! Mais du coup, sur une échelle de 1 à 10, vous diriez votre douleur, elle est de combien? J'ai dit que j'allais crever, putain! Ah! Ok. Ben, elle a vraiment mal. Ah d'accord, dans ce cas, tu lui donnes un Doliprane. Un Doliprane? Et ça va la sauver? Très franchement, bonne soirée! J'ai un bon ami, un formateur, qui m'a dit que pour prendre l'attention, il n'y avait rien de mieux que la mettre autour du cou. Oui, c'est encore moi. Excusez-moi de vous déranger, mais je vous appelle par rapport au monsieur du 3. Il est complètement bourré et il a envie de vomir. Oui, bah, moi aussi j'ai envie de vomir. Quoi? T'as qu'à lui mettre les deux doigts dans la gorge. Ça fonctionne bien. Mais ça va pas l'empêcher de vomir? Une confidence, l'infirmier. Je crois que j'ai mangé trop de saumon. Non! Trop de dinde. Et je parle pas de l'interne. Monsieur? Et l'interne, il est minuit. Il est temps de baisser ta culotte. Ah non! Couche! Ah oui, plus fort, ça m'excite! Oui, le monsieur de la 3, il a fait l'arrêt cardiaque! Qu'est-ce que je fais? Appelle le SAMU! Mais c'est nous le SAMU! Pour moi, abruti! Et l'interne, tu savais, quand la cocaïne elle est pas bonne, le patient il peut se prendre pour un vélociraptor! Oh yeah! Et Valentin, je me posais une question. T'es pas gay au moins? Bah non. Pourquoi? Oh merde! L'interne est parti, je me serais tapé n'importe quoi. Et sinon, toi, t'as fait quelle école de médecine? Oh bah non, moi j'ai pas fait d'école. C'est mon papa qui m'a acheté mon diplôme. Mon papa, il est ministre. Bon, à ce qui paraît, la police vous a trouvé dans la rue complètement torché. Et puis le médecin m'a prescrit pour vous un toucher rectal. Mais attendez, mais c'est qui le médecin? C'est vous. Joyeux Noël. Non, non, non! Cette vidéo n'est sûrement pas sponsorisée par Skol. Mais alors vraiment pas du tout. Par contre, s'il y a un mec de Skol qui voit la vidéo, nous, on veut bien être sponsorisé.